on est dans l'ère du plastique actuellement, dans le sens où on utilise beaucoup de plastique, notamment dans les emballages, comme on a vu là, dans le cas d'Haïti. Et bon, il y a pas que. On a vu l'enjeu de la pollution du plastique. Une fois que le plastique, l'emballage est utilisé, il est jeté. Donc, ici, c'est sûr qu'on met ça à la poubelle, on a des belles collectes sélectives et tout ça. Mais dans d'autres régions du monde, c'est sûr qu'il n'y a pas seulement ce luxe-là. Et on retrouve le plastique dans l'environnement. Puis, c'est une pollution qui est très visible. Donc, les gens. C'est une nuisance visible, en plus d'être une nuisance potentiellement pour la faune marine, par exemple. C'est sûr qu'il y a certains avantages au plastique, dans le sens où, dans certains cas, ça peut sauver des gaz à effet de serre. C'est une matière qui ne prend pas beaucoup d'énergie à produire, qui est assez légère, donc qui peut avoir des avantages environnementaux reliés au plastique. Aussi, bon, si on prend des applications comme le sac d'emplettes, il y a certains avantages à avoir un sac de plastique versus un sac réutilisable, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait du sac de plastique et du sac réutilisable. Mais dans le cas du sac de la boule d'eau ou du sac d'eau, ben là, c'est sûr qu'on voit pas beaucoup de. Bon, l'avantage, bien sûr, c'est augmenter l'accessibilité à l'eau, ce qui est absolument essentiel. Mais c'est pas une fois que l'emballage est utilisé, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'emballage. Donc, comme je donnais l'exemple du sac de plastique, un sac de plastique d'emplette, on peut le réutiliser comme sac de poubelle, par exemple. Donc, ça c'est un des avantages de ce sac-là. Bon, le sac le sac d'eau, ben une fois qu'il est utilisé, ben il est jeté dans la rue, par exemple, parce qu'il n'y a pas de poubelle, ou il finit par être brûlé. Donc, dans les deux cas, c'est problématique. Donc, un, ça s'en va dans l'eau. L'autre, ben c'est le carbone qui se trouve dans le plastique, ça va dans l'atmosphère, puis ça participe au changement climatique. Donc, pour ce qui est d'une solution qu'on a vue qui est de recycler le plastique, ben c'est quand même une très bonne idée. On sauve sur les deux aspects, donc autant au niveau des changements climatiques et au niveau de la pollution marine. Donc, je vois pas vraiment de problème ou d'effet rebond négatif par rapport au recyclage de la matière. Ici, on s'en met dans une situation où le recyclage est vraiment... une très bonne idée, surtout qu'il n'y a pas de réutilisation possible de ces emballages-là. On se rappelle que dans la hiérarchie des 3RV, donc on favorise la réutilisation d'un produit en premier, puis ensuite le recyclage, ça vient après au niveau environnemental. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement? Donc ici, on voit que la réutilisation, c'est plutôt difficile et le recyclage semble être une très bonne idée.